Si vous aimez lire les bandes dessinées, vous aurez sûrement remarqué que les Gaulois d'Astérix et Obélix sont un plat préféré. Après la chasse, après une mission, après une dispute ou après un accord entre amis, le sanglier rôti est toujours au menu des guerriers d'Abracourcix. Pourtant, l'archéologie nous montre l'exact contraire. Dans les fouilles, les traces de déchets culinaires ne montrent pas de sanglier, mais plutôt du lièvre, du cerf ou du chevreuil. Et encore, sur le site d'Assy Romance, les plats à base de gibier ne représentent que 0,1% des restes de nourriture découverts. Pour autant, si le sanglier n'était pas consommé, les Gaulois lui accordaient une grande importance. On a retrouvé des dents et des griffes dans les tombes. On sait que cet animal était loué par les guerriers qui l'utilisaient comme un totem. En définitive, le sanglier avait un caractère sacré chez les Celtes. Alors non, si Obélix avait réellement existé, ce ne serait pas du sanglier qu'il mangerait à chaque repas. Cela, du point de vue des vrais Gaulois, serait un comportement criminel.